Allez, on part sur du cavalier F6. On va copier. Non, ça je copie pas par contre. Vert, hop, hop, hop. Ah, il va faire une pierre en fait. Bon, bah, on va faire une pierre. Ok, faisons comme ça. Si je vais avec C5. Donc idée surprise, prise, dame prend, tour prend. Puis voilà. Et s'il veut pas, bah c'est moi qui vais prendre. Ça B3 fou B2, je sais pas. Je connais pas. En fait on a une sicilienne. Bah écoute. On est plus sur un modèle sicilien maintenant. Petit dragon. Alors je connais pas la dragon, mais là j'aime bien la position. On va jouer K6 à mon avis. Pour éviter les éventuels coups de cavalier. Dame C7, cavalier. Cavalier C6. C'est plutôt cavalier C6 d'ailleurs. Si j'arrive à mettre mon fou en E6, je pense que j'ai une position tout à fait correcte. Ceci est une ouverte, exactement. C'est bien, en jouant cavalier F3, cavalier F6, on va se reposer dans ça. Alors F4, ok, mais il faut quand même penser à développer les pièces. Si je puis donner un modeste conseil. Parce que F4 c'est pour faire quoi en plus? Pour faire ça? C'est pas ce qui me fait le plus peur dans l'instant T en fait. J'ai peut-être dame B6 qui est un coup. Dame B6 qui va poser une petite question qui va forcer les blancs à réagir avec ce cavalier. Et en fait, avec dame B6, en cas de petit roc, il y a probablement des petits trucs qui peuvent arriver. Donc je vais faire dame B6. Quoique dame B6, qu'on n'a pas. Ça, ouais, non, ça c'est pas bon. Attention à ce genre de truc quand même. Dame B6, je me laisse cavalier prend. Ouais, sur cavalier prend ou fou prend, je vais prendre ici. Allez, on va faire dame B6. Moi je fais confiance. Mais j'aime pas F4. F4 c'est pour moi c'est trop tôt. Je vais plutôt faire petit roc ou grand roc, roi H1 et F4 après. Le développement est pas fini. Donc on va voir, on va peut-être jouer avec cavalier C6. Quand même, on a du choix, il doit régler ce problème. Que faut 2 le règle. Après on peut imaginer des coups comme ça aussi qui peuvent arriver sur faux 2. Presque forcer la prise je dirais. Bon ça fait un peu à diagonale de mon fou. De tout ça qu'on peut se le garder pour plus tard. Qu'est-ce qu'il pourrait nous faire? C4 par exemple. C4 fou 2, bouger le cavalier. Moi je verrais quand même bouger le. Soit ça, un des trois coups là. Cavalier F3, faut faire attention déjà à cavalier et G4. Parce que bah j'ai ces cases là quand même. Petit vis
des avis, il y a des petits problèmes, j'ai l'impression des petites petits trucs quoi. Il me laisse des possibilités rapidement. Cavalier F3, je pense que c'est un coup à enlever. Alors ça j'aimais pas. Pourquoi j'aimais pas cavalier A4. Je pense que le cavalier sert pas à grand chose par ici quand même. Peut-être échec ici, déjà. Sur fou là, je peux peut-être faire dame C7 et menacer B5 après. Cavalier A4, il ne me vend pas du rêve. Je vais peut-être dame C7 tout simplement et. Bah, cavalier A4, quoi. La dame elle est bien en C7, le cavalier même s'il revient, bah en fin de compte j'aurais gagné un temps de développement. Alors dame B4, pardon. Dame B4, il y a probablement fou ici. Il faut que je fasse attention parce que madame, je crois. Elle va être enfermée incessamment sous peu. Je peux pas manger. Là c'est mort, c'est mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Donc je serai obligé d'aller ici et j'ai pas trop envie. Parce que là je pense que ça va être la fin très rapidement. Et dame A5 ça me laisse la souplesse d'aller en C7. Qui peut revenir également. Là, il y a peut-être du cavalier ici qui commence à venir. Je sais pas, mais je serais tenté de faire dame A5. Peut-être en fou C3, je reviens en C7, et au pire, je reviens en C7, et on n'a rien perdu, ni lui ni moi. Au pire du pire, c'est juste comme si j'ai fait dame C7 tout de suite. Mais je lui laisse la possibilité de se tromper en fait. Après il y a dame D2 également qui est un coup. Mais je suis pas persuadé que l'échange soit si bien que ça pour lui. Ok, donc on va revenir ici. On menace B5. Et à son cavalier, s'il va là, c'est pas terrible quand même. Et il peut pas en fait tout de suite, il va devoir sans doute revenir ici. Et bah, il perd un temps. Il va perdre un gros temps de développement. Pas dramatique spécialement, mais en tout cas. Alors il y avait ça que j'avais vu aussi, mais je suis pas du tout convaincu. Je peux faire quand même, dans tous les cas, ça. Et le cavalier, qu'est-ce qu'il va faire là-bas en fait? Il est peut-être à 4 quand même. Je suis même pas obligé de jouer B5 en fait, je suis pas attendre. Cavalier il sert à rien ici, c'est vrai que le fait de jouer ça va le recycler. Donc je vais peut-être pas faire ça dans l'immédiat, j'ai peut-être du cavalier H5 qui se regarde avec les cavaliers prend. Avec les B5, cavalier bouge, cavalier prend, dame prend. Prise d'échec et hop 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 on ramasse tout. Enfin, on ramasse, on a le choix en tout cas de ramasser. F4 tout de suite j'y crois mais pas vraiment. Déjà il y aura toujours le problème. Alors cavalier H5, F4 pardon, F5 un coup peu importe. B5, cavalier bouge, je vais arriver avec mes flèches, je peux pousser ici. Avec l'idée toute simple de sur fou prend bah. Je pense que c'est ce que je vais faire. Faire les prises directes, mais là ça perd de marché. Non, là ça marche pas. Cavalier H5, j'aime bien l'idée. Je menace, voilà, je menace les petites tactiques, les petites traces. Alors sur des coups comme G3, bah on va faire le plan que je disais. B5, cavalier. On va dévier ce fou et on va récupérer ici. Et on attaque même l'autre cavalier qui attaque la tour, enfin, ça va pas être terrible. Puis au pire on retourne juste à la maison. Cavalier H5 m'a l'air d'être un coup intéressant.
que je menace B5. Je menace cavalier prend, je menace, menace des trucs. En fait là, voilà, là ça sauve tout. Cette diagonale, elle est quand même pas si mal. Alors après il y a peut-être des coups comme ça que je vais pas trop regarder qui... tiennent peut-être mais je sais pas. Ouais, ça tient peut-être ça quand même. Peut-être cavalier E2 tout simple en fait. C'était presque tous les jours en stream, je vais camper ici. Bah ouais, je suis avec plaisir, y'a pas de soucis. Moi je suis là donc tous les jours, ouais, de partir de 10h30. Jusqu'à, bon je mets midi 30 mais en général comme là d'ailleurs ça va pas être midi 30, ça va être plus. Alors sauf demain où je ne serai pas là. Mais sinon ça va être tous les jours en semaine et parfois même le week-end. Voilà. Alors, le mieux c'est évidemment de suivre la chaîne mais tu l'as déjà fait donc très bien. Alors il y a peut-être qu'Aléo 2 qui me dérange un petit peu. Aléo 2 ça va tout défendre en fait. Ça va défendre ça, ça va défendre ça. Comment est-ce que je peux réagir sur cavalier 2 parce que j'ai pas spécialement envie d'échanger mon fou. Donc. Pierre, je reviens à F6. Ouais, moyennement satisfaisant. Voilà, les coups directs. Prise cavalier prend, c'est un peu ça le problème, c'est que le cavalier va revenir, j'ai plus mon fou de case noire. Bon, on le saura jamais. Bon, je disais B5. B5, ça va bien. B5, cavalier vient ici. Tac, prise, fou prend. Dans tous les cas, je peux me faire reprise sur échec. Bon allez hop. Grand Rock, c'est curieux quand même. J'aime pas du tout. Enfin, rien que sur le principe, même s'il n'y a pas la tactique. À B5, je gagne un temps sur le cavalier. J'ai la colonne. Bon, ça dans les Siciliennes, pas souvent, mais j'ai quand même des pièces qui ont des regards. Et je vais gagner du temps en fait. Pas fan à 100%. Ok, rock opposé pour m'attaquer, bien sûr, mais. Attends un peu de temps. Hop, ça l'a pas vu. Même ça marche pas, ça. Ah, tu veux dire que t'as ça? Oh. Pas vu, mais est-ce que ça marche? Disons dame B7, cavalier vient. Enfin, je le laisse manger, hein. Je m'en fiche peut-être un petit peu de cette tour. Enfin, je vais prendre ça. Ah, ouais, faut faire gaffe quand même, là, il y a peut-être des petites magouilles. Ok, peut-être manquer un petit peu de lucidité sur ce truc. Faire dame B7, de toute façon, je n'ai pas d'autres cases. Sur cavalier ici, bah, je vais faire fou prend, cavalier prend. Il y a peut-être du fou prend ici. Freeze, dame prend. Freeze. Ça n'a pas l'air mauvais. Non, ça m'a l'air bien pour moi ça. Bon, là, à mon avis, ce KLB6 c'est forcé. Parce que bah, sinon, il y a juste une pièce qui vole. Donc ça va pas aller. La x5, la ligne forcée, c'est cavalier B6. Donc prise. Cavalier prend, dame prend. S'il veut essayer de profiter de la découverte, il fait fou prend, mais puis on prend, dame prend. Dame prend à 2. Et c'est peut-être tout à fait correct pour moi. Ça me dérange pas cette variante, est-ce qu'il y a autre chose?
Parce qu'autre chose que cavalier B6. Je dirais pas quand même. Bon, s'il revient, bah. Enfin, y a un problème avec ses pièces de toute façon. Deux pièces en l'air. Moi, cavalier B6, c'est forcé. Prise, cavalier prend, dame prend. Et c'est à partir de là qu'on peut regarder. S'il n'y a pas plus pénible, par exemple, un coup comme fou E2. Est-ce que c'est pas un peu plus pénible? Parce que ça attaque ça, ça menace là-bas également. Ça c'est peut-être plus pénible quand même. Parce que même si je recule mon fou, il va venir. Il va casser ma structure. Ouais. Bon, c'est plus pénible, mais ça me fait pas non plus si peur que ça. Je pense que ça va. Ça a bien vidé l'échiquier. Ouais. À partir du moment où j'ai plus de matériel, je veux bien tout nettoyer. Hein, ça. C'est mon côté petit joueur. Mais c'est quand même efficace. Hein. Essayer de jouer des positions simples, c'est pas toujours évident. Et si on peut tout nettoyer, ouais, ça me dérange pas, s'il n'y a pas de problème technique et tactique. Mais pour moi, cavalier B6, ouais, il n'y a pas vraiment d'autre coup. Il a pas dû penser, enfin, il a pas dû voir que ses pièces étaient en l'air. Pas dû voir qu'il y avait ce problème. À moins que ce soit moi qui n'ai pas vu, c'est pas impossible. Qu'est-ce qu'il fait en fait pour sauvegarder ses pièces? Ok, donc j'ai dit. Prend. Attention, s'il prend pas, en plus je peux me revenir ici, donc c'est pas trop d'autre choix que de faire ça. Pas de maths. Ah, je fais attention quand même à mes cases noires. Cavalier prend prise. Oui, non, je disais un truc. Bon, je disais un truc qui marchait pas pour moi, mais tu sais encore mieux en fait. C'était là-dessus sur fou prend, prise, dame prend, j'ai. Pour moi j'allais ici, j'ai oublié qu'il y avait le fou là. Bon, je prends le fou, c'est encore mieux. Regarde s'il n'y a pas des petits trucs, mais je crois pas. Parce que là-dessus il va juste faire ça par exemple. Et en fin de compte, je vais devoir manger ici. On va faire cavalier C6 assez rapidement. Donc je disais fou 2, qui me semble plus raisonnable. Ah, quoi que fou 2, il y a peut-être dame prend. Ouais, c'est dangereux ça quand même. Avec l'idée de. Alors mon idée, que je vais sans doute pas jouer parce qu'elle m'a l'air quand même assez dangereuse. Sur dame prend, je me. Hop là, je me venge ici, je récupère, mais faut faire attention aux coups comme ça qui vont attaquer sur case noire. Et même au coup de tour là, ça va. Non, ça paraît très très dangereux pour choper un pion, c'était pas nécessaire. Et l'idée c'était également sur fou prend, on avait ça. Mais bon, soyons raisonnables. Ça serait marrant aussi. Mais l'ennui c'est que il va pouvoir juste faire ça. Et j'ai pas envie de donner une pièce pour tenter une arnaque qui ne marche pas. Donc G7 c'est le coup sécurisant. Sauf fou prend. Pion prend. Non, ce pion là il est pas si mal. Même si ça déroque un peu, j'ai mon fou qui défend, ça va. Je pense que je vais fou G7. Hein. Ouais, bon, je peux regarder une dernière fois ça, mais j'y crois pas trop. Un simple coup comme ça, je vais devoir jouer F6. Je vais prendre des tours là, non ça va pas, ça c'est. On élimine.
On va revenir à la maison. Ouais. On a deux cavaliers pour la tour. C'est bien. Et s'il veut faire ça, bah on va avoir la paire de fous en plus. Et la position il commence un peu à se vider au centre. Donc ça va. On a toujours deux pièces pour la tour. Ça reste plutôt confortable. Ça. Je peux pas le défendre n'importe comment, il peut même pas essayer de défendre comme ceci parce que je vais avoir fou G4. Bon, faut que je me développe quand même. La jolie dame qui est ici. Trouver des coups, c'est pas spécialement simple. Je peux gagner du temps en plus en me développant sur, sur ses propres pièces. Il doit défendre ça. Pas spécialement le plus, plus agréable à défendre. Plus de ça, il doit faire attention aux cases noires pour moi aussi, mais et lui également. Fort probable qu'il propose un échange de fous à un moment. Ok. Est-ce que je fais ça? Ok, je gagne un temps sur sa tour. Et après, je vais peut-être lui permettre de faire F3, G4 assez rapidement. Après, je peux aussi essayer. Ouais, essayer d'enfermer son fou. Ouais, ça m'a l'air quand même un peu douteux. Parce que je prends la case mes cavaliers. De mon cavalier, je vais pas développer mes pièces. Donc, je pense que je vais pas faire ça. D'un côté, un coup comme ça, tour bouge par exemple, j'en sais rien. Sur F3, G4, bon, je vais reculer le fou. Sur G4, je vais faire H4. Je vais clairement pas ouvrir, sinon je vais avoir des problèmes sur la colonne H à un moment. On va éviter ça. Bon, allez, on va sortir par ici. Le cavalier par ici avec l'idée d'aller par là, ça aurait gagné un peu de temps. Un peu de ça, le cavalier va être très très bien. Je vois pas trop ce qu'il va pouvoir faire là en fait. Bon, s'il veut empêcher de venir, il a ça, B4, mais bon, le fou va être assez moche. Puis bon, B4, je vais avoir dame là, par exemple. Ça paraît quand même pas terrible. Bon, faut faire attention, bien sûr, à l'enfermement de pièces, mais j'ai rien. Oula, pas de pré-move, mais j'ai ça. Voilà, quitte à ce que le fou revienne en D7. Ok, bon, on va revenir en D7 et sur G4, H4.
Ok, donc on pourra pas prendre comme je disais parce que ça, enfin il y a des coups qui vont venir qui vont faire un peu peur. On va faire H4. Et mine de rien, faut faire qu'il fasse attention quand même à ça. Peut-être faire fou C6 maintenant. J'aime bien fou C6. E4. Cavalier E4? Cavalier E4 aussi, ça se regarde, t'as raison. Je vais plutôt la faire comme ça quand même parce que je veux pas donner trop de pièces. Enfin, ça donnerait 2 pièces pour la tour. J'essaie de garder. Là, je menace quand même. Quoique, attends. Qu'est-ce que lui menace vraiment? Ça, c'est pas une menace. Il menace peut-être de venir ici pour manger mon pion. Bon, écoute. De l'offre. Marquer les 4. Ah, avec Fossé. Ah, t'as raison, c'est bien meilleur ça. Tac, tac, Fossé 6. Oui, c'est mieux comme ça. Le dame bouge. Et fou prend. Alors, tac, tac, tac. Dame prend ici. Ah, sur dame prend, il doit y avoir ça. Et ça a l'air pas si mal. Quoique, attention. Ah non, c'est la gagnante. Et ça évite à dame en G5, je suis tout à fait d'accord. Bah, surtout après F4 en fait. Avant, j'aurais peut-être plus construit avec fou C6, mais là avec F4, c'est vrai que. On va probablement faire ça. Il est pas obligé de prendre, mais après, je peux peut-être venir ici. Bon, je pense avoir des trucs. Je peux aller un peu partout. Ouais, donc prise, fou C6, prise de 7, peut-être tour E8, prend là-bas, peut-être prend, dame prend. Et c'est quoi le rapport? C'est j'ai une pièce nette de plus, voilà, cavalier E4. Peut-être même faire tout simplement prise là-bas, hein, 4 prises en E7. Prise de la tour. Bon, ça a l'air pas mal, ouais. Ça a l'air très bien. Ici, s'il prend pas, on a peut-être du cavalier G3 qui peut venir. Ou pas. Mais il y a des coups. Tour C, hop là, tour C8. Enfin, le cavalier reste là un petit moment. Bon, après, il peut juste bouger la tour. Et menacer de manger. Un plein de trucs comme ça. Du coup, je vais peut-être gagner un temps là-dessus. Ou j'ai peut-être moyen de stabiliser avec D5. Bon, j'ai l'air d'avoir quand même un peu de choix avec C6. Enfin, j'ai l'air d'avoir vraiment ouais, pas mal d'idées. Et les petits pièges aussi à coup de fou F6 et fou G5. Peut-être. Ne le saura jamais. Ok, donc on va prendre. Ouais. Ça, j'ai échec. Faut quand même être bien sûr de ce genre de coup. Ah oui, bah ça, ouais. Ok. Alors, mais j'ai peut-être Dame D5. Je mange et Dame D5 avec l'idée qu'il n'en est pas vraiment une parce qu'il aura juste la pousse. Mais si, en fait, c'en est une quand même. Dame D5. Est-ce que Dame D5 c'est bien? Peut-être pas. Mais peut-être que si. Pas que je fasse mat ici quand même. Alors, dame D5, c'est peut-être une bonne idée, mais peut-être pas, parce que tac, 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 si je mange,
pousse. Et là, c'est le drame, c'est ça? Check. On bouge, échec, et je vais récupérer là. Non, c'est peut-être pas si grave. Rebonjour le gaffeur. Et tu vois, il la voulait en G5. Ouais, ah bah oui, c'était sûr qu'il voulait mettre Dame G5, ça c'était sûr. Peut-être que Dame D5 fonctionne. Bon, ça a l'air quand même un peu risqué, mais la poussée n'est pas possible à cause de Dame prend. Et s'il veut chasser ma Dame, je vais faire Dame E5. Et surtout, Dame D5, Dame E5 et Dame ici, mais bon. Il y aura un peu de matos, ouais, Dame G5, d'accord. Un peu pénible, bon après il y a des coups comme F6 qui se regardent aussi. Bon, ça fait un très moche, fou très moche, mais au moins ça règle les problèmes de maths. Donc Dame D5, tour ici, tac. Quoique, si c'est dans l'état actuel des choses, je peux laisser là et juste... sortir mon fou, puis bah ok, mange ce pion, écoute, cadeau. Je vais faire fou là pendant que les dames prend. Bon, ça a l'air quand même ça a l'air quand même pas si mal. J'aime bien Dame D5, je dois avouer que j'aime bien, et puis bon, on verra. On n'a pas peur de tour prend, dame prend, parce qu'il y a échec à chaque fois. Et bah y'a mat en fait, ça, enfin ça peut-être pas, non ça a pas maté, mais voilà, avec cette idée là ça marchera jamais. Oula, mais attention à ça peut-être. Attention à ce genre de truc. Attention à ce genre de coup. Parce que ça va forcer F6 du coup, et ça va permettre à son fou de revenir et moi d'avoir un fou très moche. Dame prend. Après je vais peut-être faire fou là, tour C8 et questionner. G4. Bah H6, je sais pas, probable. Dame prend, mais peut-être toujours ça qui va venir à un moment. Je voulais essayer de centraliser ma dame avant. Bon allez, je vais jouer Dame D5, on verra. C'était mon idée, donc sur fou C3, F6, dame prend. On va faire fou là. Ça va l'empêcher de pousser parce que je vais prendre. Et ça va me permettre de faire tour C8. Poser une question à ce fou, poser une question à ce pion. Et on verra. Parce qu'il va y avoir peut-être du B4, à un moment je vais avoir des coups. Bah, j'ai envie de garder en fait. Bah, j'ai envie de centraliser madame, c'était ça ma raison de pas jouer H6. Alors sur fou C3, bah H6 non, parce qu'il y a maths. C'est pour ça qu'on va faire F6. Et j'avais vraiment envie de centraliser madame, de jouer un peu actif. Parce que si je faisais H6 tout de suite, il y avait Dame prend H4, madame est encore là-bas et j'ai un peu peur de la poussée de pion qui peut potentiellement être dérangeante quand même. H6, on va voir ouais, sur Dame prend, il y a peut-être du fou F6 qui va venir, Dame prend H6, enfin, voilà, il y a Dame. Je sais pas, j'aimais pas la position. Et le pion fermait le fou, ouais, c'est ça. Pourquoi pas roi H8? Parce que F6. Et F6 c'était mat. Non, c'était pas mat, mais ça faisait mal quand même, ça perdait ça. Voilà. H6 puis Dame A5, ouais, mais comme je viens d'expliquer, ça me satisfaisait pas trop quoi. Après peut-être que c'est bien, hein, je sais pas, mais... Ça revient juste en arrière. H6, il y avait la prise, il y avait F6 qui venait après. Sur Dame D5 par exemple, là il y a F6, le fou bouge, Dame prend. Ah, ça fait un peu peur quand même. J'étais pas hyper fan. Peut-être qu'il y a rien. Regardez à l'ordi, H6 c'est le coup. Bah peut-être, mais moi j'ai pas d'ordi. Il
Mais visuellement, H6, bon, c'est peut-être très bon, aussi leur DD c'est que ça doit l'être, mais. Moi, j'aimais pas trop. Visuellement, ça m'inspirait pas confiance. Voilà, du coup, on a dit. Ah bah, on a. Pas non, en fait. Ok. Est-ce que F6 c'est une menace? J'aurais d'avis de dire que non. Faut H8, puis de toute façon je vais essayer de me faire une petite case de fuite aussi. Tour C8, F6. J'avais dit quoi aussi, je pouvais faire ça? Sur C. Non, c'était pas comme ça. Sur C3, de toute façon, pire, j'ai échec. Moi aussi, c'est pas mal. Échec, et le fou va revenir faire échec là-bas aussi, je pense. Enfin, ça a l'air. Je commence à avoir des petits trucs un peu à droite à gauche, non? Stockfish niveau 2. Moi, j'ai pas Stockfish, et j'en veux pas. Bon, est-ce que je prends des risques ou pas? C'est pas vraiment une prise de risque, ça. Un peu quand même. Tac, tac, tac. Tac, tac. Check. Allez, faisons confiance à l'instinct avec 50 secondes. Donc tour prend, échec. Roi bouge, on va récupérer là-bas et tant qu'il revient du MG5 pour faire F6, j'ai le temps de revenir, de faire échec, de manger des trucs. Ça va, sur B3, C3, on a échec. Peut-être venir là, le fou, le roi va par là-bas, ça a l'air quand même pas terrible. Surtout on empêche la dame de revenir en G5, on va ramener notre fou, je sais pas où exactement mais on va commencer à attaquer. Et tour C8, il y a commencé à avoir pas mal de coups. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme choix? Tour D1, ça a pas l'air terrible. Ok. Moi j'ai dit quoi? J'ai dit échec. Ok. Après j'ai dit échec, voilà. Fou prend, c'est dangereux parce qu'il y a échec, tac, probablement un truc. On va essayer de jouer tranquille. Voilà, en plus je peux le laisser là parce que j'empêche F6. Peut-être tout simplement ramener un peu les pièces par là. Parce que là, la dame ne bouge pas. F6, il y a fou prend. Là, bah, il y a la dame qui s'envole. Pion B4. De quoi pion B4? B4, il y a fou prend, non? Ah, exact, dame prend. Pas vu. Bien vu, ouais, j'ai pas le temps de voir. Quoique sur B4, attention à la tour. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas vu un truc? Je fais confiance, tu vas me faire F6. Échec. Bon, là-bas, j'ai plus d'échec, c'est qu'un temps en train de me dire. Ok, il va récupérer ici. Marche son histoire. Oh, pas cool. Je fais une cale de plus. Essayer de faire. Ouais, attention. Bon, là, on va prendre. Pas prendre de risques. Et on va essayer d'échanger. On a quand même qualité de plus. Savoir jouer simple. Alors j'ai sans doute loupé des trucs là. B4 ça aurait pu mater, c'est pas improbable. Là on joue la finale avec une 4 de plus et on élimine les vraies menaces. Ok bah là c'est sympa. Pousse bichon. Il va aller vite. C'est mon champion.
hop, le champion. Ouais, bon là, la finale, ça va. C'est pas si mal. Hop, on va lui-même lui faire un petit copain. Et puis on passait, ouais, là ça va être pas trop mal. Ah, il va faire ça. Bah écoute, mange. On va reprendre ici. Tu reprends. Et ce pion là risque quand même de tomber. On va essayer de le défendre comme ça et comme ça. Mais ça va être un peu compliqué. On va jouer simple. Hein. Ah, ça va, c'est des finales tranquilles. Ça, c'est attaqué. Il va falloir un peu le bouger quand même. Ou pas. Alors là, si le fait, je vais attendre. Je vais pas prendre. Sinon, je vais faire un pion passé. Je vais attendre que lui me prenne. En attendant, nouveau pion passé. Case blanche en plus. Pas de problème. Alors là, ça passe toujours pas. Allez, deux pions passés. Hein, bon. Même si on enlève les tours, ça va. Et finale correcte. Ah, il y a le choix. Mon roi également dans le carré du pion. On va faire ça. Hein. Également le roi coupé de l'action. Là on va juste ramener le roi. Peu importe, on va se mettre par ici. Que je dise pas de bêtises, mais ça va, il devrait y arriver. Voilà, il va là. Et le problème c'est que foot case noire et case de promotion blanche. Ah, c'est pas facile. Je perds pas mes pièces, mes pions n'importe comment. Mais là ça devrait aller quand même. Ce pion là, je vais le récupérer, hein, je crois. Je vais aller ici, ou s'il fait échec, je vais en C8. Et bon courage. Ah. Je crois que je peux même me permettre de manger. Ouais. Ok.